Chaque année, je me donne comme défi de trouver un thème fort et inattendu pour mon stand à la Brafa. Pour cette édition 2015, j'ai décidé de mettre en regard des œuvres d'art premier avec celle de Joseph Orion, un remarquable sculpteur belge actif dans les années 70. Lorsque j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de découvrir l'œuvre sculptée de Joseph Orion chez son fils David, j'ai eu l'impression de découvrir une nouvelle culture tribale qui ne ressemblait à aucune autre. Ces sculptures provoquèrent chez moi une intense émotion, car en plus de leur qualité intrinsèque, elles interrogent. Elles expriment un langage mystérieux, un univers empreint du souffle universel, comme l'ont pour moi les arts premiers. J'ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec la famille de l'artiste et d'acquérir pour cette exposition plus d'une quarantaine de pièces, des plus monumentales aux plus petits chefs-d'œuvre. Je suis fier aujourd'hui d'avoir pu produire un ouvrage qui rend hommage aux grands talents de Joseph Orion. Je suis aussi heureux de vous inviter à l'exposition de ses œuvres à Bruxelles pour découvrir cet échange entre les arts premiers et Joseph Orion, sur mon stand à la Brafa et simultanément dans ma galerie au Sablon.